Et donc, après encore quelques heures de marche, maintenant la nuit vient de tomber et vous arrivez à l'entrée de la ville de Lithier, votre objectif où vous pourrez peut-être trouver un remède. Votre ami Spiritus qui commence à aller de plus en plus mal et qui a un petit peu de mal à suivre le rythme maintenant. Spiritus, tu commences à avoir mal à la tête, un petit peu de vertige. Peut-être, pour moi. Plus perte de points de vie, donc ça va. Frosty a débarqué. Frosty voilà. Oui, voilà, bonsoir. Et tout le monde s'en foutait. Oui, voilà. Frosty est de nouveau avec nous. Très bien, donc vous arrivez devant la ville et vous voyez que c'est une ville de taille moyenne, entourée de murailles, c'est une ville donc qui est légèrement fortifiée, mais qui semble capable de se défendre, puisque vous voyez de nombreux gardes au créneau. Et justement, en plein milieu de la route, à l'endroit où elle passe entre les murailles, il y a un garde avec une hallebarde qui vous regarde. Non, mais s'il te plaît, Frosty. Qui vous regarde d'un air interrogateur, avec à ses pieds un lézard. Et pas n'importe quel lézard. Non. Quasiment non, le non. même que celui que vous avez combattu au camp. Non. Qu'on appelle un ragnard, il me semble. Ouais, Cache-toi. J'ai mon amulette normalement. J'ai mon amulette qui me permet d'avoir une forme humaine. Lézards-là, ils sentent pas en fait. Ils ont pas un odorat qui permet de traquer. On ne sait pas. Frost, t'es un petit peu le seul à vraiment connaître ces animaux. Tu sais que c'est utilisé un petit peu comme si on était dans un autre monde. On dirait que c'est un peu comme les chiens de police. Ils ont un très bon odorat et ils savent traquer des proies. Ok. Merde. Bah j'espère que c'est pas comme le chien de Call of Duty parce que sinon on est dans la merde. Donc, vous avez lu parfois. Vous approchez de la porte. Je demande à Volker. Et je vous rappelle aussi que Spiritus est toujours protégé pour son talisman magique qu'il fait passer pour un être humain pour encore quelques heures. Je demande à Volker et à Spirit de rester en arrière. Je vais m'approcher avec Frosty. Pourquoi moi en arrière? Parce que toi t'es incapable de te battre, donc s'il y a la moindre baston, t'es mort. Voilà. Ah, moi aussi, vrai. Mais bon. Moi je suis no skill, c'est pas et pareil. Et le problème c'est que Spirit Wolf, s'il s'approche trop, il risque de se faire détecter. Par contre, juste si jamais il y a un fight, on tue d'abord celui qui est en haut, comme ça on donnera la hache à Spiritus, comme ça on est juste ça lui fera une bonne arme. Parce que la hache, C'est ce que je pensais. Les gars ils partent déjà. Et ensuite je prendrai le lézard comme animal de domestique. Tu sais qu'il va essayer de tuer Spirit Wolf à toutes les minutes de ta vie. Alors je prendrai 6 écailles pour me faire une armure en plus. Ouais, donc comme bah moi, de toute façon, je vais essayer de rester à proximité de l'arbre et de rocher, comme ça je suis pas trop loin pour que un dernier truc. Ouais, d'accord. Par contre, avec le lézard, peut-être qu'avec les écailles, on peut pas genre faire un bouclier, enfin peut-être qu'on pourra avec des écailles. On s'en fout. Pour Spiritus, parce qu'à mon avis, il peut te dire une hache à une main. Arrêtez de parler des loots. C'est juste pour le On a jamais dit que c'était qu'on allait déclarer une guerre civile aujourd'hui. C'est pour ça que Volker se casse. Très bien, donc vous continuez à vous approcher lentement avec Volker et surtout Spiritus qui reste un petit peu en arrière. J'ai combien de points de vie déjà à la base? T'es presque 20, mort. 20, 25. Tu vois sur ton token. Bon, et donc le garde vous regarde approcher avec surtout Kino d'ailleurs qui est le seul qui possède un cheval et qui n'a pas voulu le prêter aux autres. Ouais, parce que c'est mon cheval et celui de mon. Donc familier. Il le regarde, il jette un petit coup d'œil à son Reinhard à ses côtés qui relève la tête, qui vous renifle mais qui ne semble pas très alerté, rassuré. Rassuré, il lève la tête vers vous et il vous demande « Ah bien le bonjour, que faites-vous dans notre belle ville de Lithier ?» Oh, ben on vient visiter. Mais vous, derrière, vous l'entendez de derrière, mais vous parlez pas, hein. Vous évitez. Ouais, mais c'est quoi ce délire, même? Ouais, mais c'est parce qu'on passait dans les... Oh, c'est d'un accent de Fanax, voilà. Ah, oh mon dieu. On passait dans les parages et on a décidé de venir par ici quand on a entendu parler de la ville. Ah, je ne savais pas que Lithier était devenu une destination touristique, mais enfin, ça fait plaisir. C'est par là. Vous m'avez l'air d'aventurier, vous. Si je peux me permettre, j'imagine que vous êtes à la recherche d'une auberge. Bah je oui, vous conseille toujours. Au pied des montagnes. La bière y est excellente. Enfin, je le sens mal. Enfin bref, vous pouvez entrer, il n'y a pas de problème. Assurez-vous juste de ne pas mettre la pagaille, parce que sinon je vous garantis que nous, on ne se le dira pas deux fois. Et par contre, pourquoi j'ai encore 10 points de vie? Normalement, je devrais avoir tous mes points de vie. Non, t'as pas récup. Ok. Je mets devant. T'as un problème?
Bandou, parce que moi je peux parler arabe. Hein. Bandou. Le garde, il s'incline poliment et puis il vous laisse passer. Vas-y, passe, Saint-Geoff, parce que moi je vais lui faire peur. J'ai pas du tout de guerre. Non, s'il te plaît. Non, non, non. Pas de guerre, pas de guerre, pas de guerre. Est-ce que je peux essayer Bandou, de le... monsieur. Est-ce que je peux essayer de perturber mentalement le lézard pour pas qu'il réagisse en passant? Ouais, pour pas qu'il réagisse à moi. Tu peux essayer. Bandou, monsieur, comment ça va? En cas d'échec, je me casse à cheval et je les laisse tranquille. Après, voilà, la crise, la politique, on sait ça. En plan B, je propose effectivement que ce soit Frost qui fasse diversion avec en parlant. Oh, il est mignon, il est mignon, le petit. Je peux le caresser. Voilà, comme ça. Non, mais il est mignon. Ouais, en plus, il est assez abruti pour passer sur l'emploi, donc. Ouais, mais du coup, je sais pas quel type de lancer. C'est un lancer de magie pure, du coup. T'as un problème, toi? T'as un problème? Oh, tu jamais, là le garde, il serait en train de se dire, mais c'est quoi cette abruti qui fait du non, mais c'est bon, là, c'est à cause du chauve, là. Excusez-moi. Faire bah, du coup, moi, je veux faire ce que j'ai dit, essayer de l'empêcher de détecter Spirit Wolf. Mais du coup, moi, je vais faire un deal social. Non, non, c'est moi qui le fais, du coup. Bah, essaye, si je vois que d'embêter le... enfin, de... Essaye, si ça marche pas. Si ça marche pas, je passe à ma technique, hein. Ok, des 100 de social avec un malus de 10, puisque c'est un l'animal de la police, quand même. Ok. Dans le garde national. Oh non. Ne dites pas qu'il lui mord le bras. Non, les ventres. Non, mais... et d'ailleurs, comme on est dans la grande tradition... Oh, le bâtard. Aïe. Il m'a fait bobo. Je crois pas que t'avais une musique d'échec critique, toi. Si. Non, j'en ai même pas. Non. C'est pas grave, tu en as une par défaut. Et donc... voilà, c'est toujours aussi fun, ces trucs débiles. Et donc... Frost... Y a un écho. Il y a un écho chez Frost. Alors, oui. Et donc, Frost, tu tends la main vers le lézard et tu fais... Oulé piti, oulé piti, oulé piti. Et tu donnes un mouvement brusque sans le vouloir. Et le Reinhard qui est entraîné... à attaquer les criminels, il réagit au quart de tour, il te mord la main sans pouvoir te retenir, tu lui donnes ton poignard et tu l'enfonces dans son corps. Fais-moi un dé. Non, fais-moi un lancer de D6. Putain, Geoff, Okino, on se retrouve plus tard, hein. On va aller se planquer. On va attendre que vous creviez. Allez, salut. Et j'irai à la taverne. D'accord. Bon, alors. Ah non, c'est D6. Ouais. Très bien. Tu frappes à côté. Tu lui donnes un coup de poignard, tu ne fais qu'érafler le lézard, mais celui-ci. Celui-ci fout de rage, bondit sur toi. Nope, j'ai pas envie. Tu es surpris et. Non. Et tu. Non. Arrête. Je veux pas. Tu es donc. J'ai pas envie. S'il te plaît. Oui, pardon. Et donc tu es surpris et tu n'as pas le temps de réagir. Tu tombes au sol et le garde immédiatement pointe sa hallebarde vers toi. Qu'est-ce que vous faites, âme? Bougez pas. Mais je tourne la tête sur mon cheval et je dis. Mon ami, désolé de vous importuner avec ça, mais. Mais mon compagnon si présent a toujours été aussi doux avec les animaux. Toujours. Le garde... C'est ainsi que je fie un doigt d'honneur au lézard. C'est un bras... Connard. Donc le garde ordonne à son lézard. Doudou. Arrête de l'attaquer. Comme ça. Et pourquoi, ça marche avec toi? Y'en a marre. Donc... Faites attention. Je suis avec lui, hein. Qu'est-ce que vous avez voulu lui faire? Oh, il a juste voulu le toucher, mais. Ah, il est nul. T'as gueulé, je te mets une tag dans la bouche là, mec. Hein. Le pire, c'est que ce que je dis, il n'y a aucun sens caché, je le pense sérieusement. Bon. En deux secondes, là, je peux te balancer une dague dans la bouche. Alors, en deux secondes, je peux te foudroyer, alors. Sauf qu'en deux secondes, là, mec, le temps que tu te retournes, t'auras déjà une. Je suis déjà retourné. J'ai pas l'impression que vous vouliez l'attaquer, mais faites gaffe à ce que vous faites, vous. J'aime pas trop vos manières. Je ordonne à son lézard de reculer un peu et te laisse te relever. Baisse les yeux. Le mec, il est à terre. Baisse les yeux, tu vas te calmer là. Hey. Ouais, mais du coup, vu qu'il a fait un échec critique, c'est même pas la peine. S'il vous repère, Spirit passe devant, c'est fini. Donc je tente mon truc. Et le lézard, très méfiant, commence à lécher sa plaie tout en vous regardant du coin de l'œil. Bah, moi, je tente. J'en ai marre.
sur les bords des troupes victimes. Je vais lancer un lancer. Allez, salut. C'est un lancer de magie. Je quitte le jeu de rôle. Ouais, je te mets un si tu veux tenter, je te mets un malus de 20 puisque il est en état d'attaque. Ouais. Vas-y, moi je suis parti de la zone. Frost, arrête de mettre ton pion partout. Arrête de faire n'importe quoi avec un. Ouais, s'il te plaît. C'était mieux quand t'étais un pauvre petit PNJ. Ouais, du coup je peux que faire ça. Donc ça ok, bah alors au revoir. Ouais. J'ai pas entendu donc. Je suis concentré sur ma fiche là donc c'est. Vas-y, intelligence moins 20. Intelligence moins 20. Ah, parce que c'est très calme, c'est pour ça. Aïe. Bah, parce qu'en fait le lézard il est vraiment en état d'alerte. Et si je me fail, c'est de ta faute hein. 40. Bah ouais, non, c'est surtout parce que t'es très con. Pas mal. Ah, ça c'est le talent. Le talent. C'est le tinjof surtout. Et donc, Okino, toi tu te retournes légèrement sur ton cheval et tu t'en. Bah, moi j'ai le droit de me barrer, je vais voir parce que sinon je vais me faire déglinguer encore. Non, mais arrête avec ton. C'est bon, le lézard, j'ai déconcentré. Je vais te retirer les droits de ton token si tu continues à le balader partout. Et donc, tu tentes d'entrer en contact avec l'esprit de l'animal. Tu as un peu de mal puisqu'il est très agité et qu'il a fortement envie de mordre tout ce qui bouge. Non, j'ai pas envie, moi je me casse. Mais finalement, à force d'efforts, tu réussis à le calmer. Il est toujours un peu vigilant, mais tu réussis à l'influencer pour le calmer quand même bien et faire retomber son agressivité. Et tout en restant discret. Oh non, je voulais. Mais bon. Allez, Frosty, arrête de faire n'importe quoi, du coup vous pouvez avancer, mon gars. Bah moi j'en ai marre, j'arrête de jouer, voilà, je me barre dans l'autre map. Et donc vous continuez à avancer dans la ville. Je crois en fait que ça aurait été Volker qui devait y aller finalement. Non, non. Il a on était en arrière, J'en ai marre, mais vous avez reculé en approchant. Très bien, et donc vous approchez lentement, et à ton approche, Spiritus, le lézard renifle. Oh non. Merde. D'un air un petit peu étonné. Il est mignon, le papier. Finalement, calmé par le sort d'Okino, sa tête retombe et puis il recommence à lécher sa plaie. Et là, attends, mais c'est quoi cette merde? Ah, ok. S'il te plaît. Pardon. Et là donc, la sentinelle et le lézard regagnent leur poste. Heureusement que je suis là pour vous nous sauver, hein. Et en fait, je crois que la prochaine fois, en fait, je vais me rester à côté de Spiritus. Je peux juste poser une question au garde. Ouais. Attends, ça dépend. C'est quoi ta question? Si c'est par rapport au poison, il ne faut surtout pas en parler. Non, c'est juste par rapport à la taverne. Ah oui. La taverne. Voilà, moi c'est bon, je suis parti dans mon trip, j'ai le personnage dans la peau, ça va être la taverne. Allez, donc je peux lui poser une question? Oui, parfait. Bonjour mon ami, je suis... Quel alcool? Non. Je suis un voyageur exténué et apparemment j'ai cru entendre que c'est ici que vous aviez les meilleurs alcools. Est-ce vrai? Effectivement, j'ai parlé à vos amis d'une auberge excellente, absolument, au pied des montagnes. C'est vraiment une auberge très réputée dans la région. Et je sens mal. Y aller la tester. Et puis, c'est pas l'auberge de la Roche, je le sens mal. Par hasard. L'auberge quoi? L'auberge de la Roche, ce non. Serait pas son nom? Non. Alors, l'auberge de la Roche, non, ça n'est pas celle-là. L'auberge de la Roche, je ne connais pas. C'est une l'auberge du Tulou. Celle-là, c'est au pied des montagnes. C'est le nom de l'auberge? Au pied des montagnes, exactement. Parce que ici, on est au pied des montagnes d'Ascor, du royaume des nains, si vous voyez. Enfin, vous m'avez l'air d'être un connaisseur. Trop drôle ta blague, enculé. Mais, j'attends de voir ça. Ah, je... Prends-lui ça. Je te rassure, vous ne serez pas déçus. Hein. Mais ne forcez pas trop sur la boisson, hein, vous autres nains. Le premier qui arrivera à me faire tomber par le joug de l'alcool n'est pas encore né, mon ami. Tu te calmes. Ferme-la derrière et on avance, direction l'auberge. Il va lui mettre un rocket punch. Ok, donc... vous progressez en disant bonjour. Et je pense qu'on va finir l'épisode ici. Bonjour madame. Ouais, voilà, ouais. Voilà, vous progressez dans la ville et vous atteignez progressivement la place centrale. En levant la tête, vous pouvez déjà apercevoir au fond le château où habite le seigneur du coin.